Salut la tribu des internautes congolais. Chers amis, en 2018, le peuple congolais a voté Félix Tshisekedi Tshilombo comme étant président de la République. Et depuis l'arrivée du président Fatih au pouvoir, le vieux démon du tribalisme réapparaît à la surface. Nous voyons chaque jour sur les réseaux, en Europe comme au Congo, nos confrères, nos consœurs congolaises venir faire des déclarations tribales. J'ai vraiment une princesse Yeke, c'est Yeke, ça? oui, Yeke Yeke. avec moi? Vraiment, qui princesse et béba, vraiment. Très cher ami, lorsque vous entendez princesse, ne paniquez pas. Aujourd'hui, tout le monde peut s'appeler princesse. Ce qui est intéressant ici, elle présente une invitée en disant, j'ai une princesse Yeke. Ce qui est intéressant, c'est les Yeke. Les Yeke est une tribu vivant aujourd'hui dans le Katanga. Mais le Yeke, grâce à des petites recherches sur Internet, c'est une population qui est originaire de la Tanzanie. Ils ne sont pas autochtones de la RDC. Je répète, les Yeke sont originaires de la Tanzanie, où ils étaient appelés les Unyamwezi. Ils sont arrivés chez nous comme visiteurs. C'est vrai ce qu'on dit de vous, les Katangais, que vous vous croyez supérieurs parce que vous nourrissez en fait toute la République. Oh là là, une affirmation bête, une question bête. En plein 21e siècle, il y a des gens qui pensent qu'une province peut nourrir toute une république. Pourquoi dire supérieur? Je ne crois pas qu'on se sente supérieur, mais on réclame seulement ce qui nous est dû. Maman princesse, vous réclamez ce qui vous est dû? Qui a pris ce qui vous est dû? Juste un rappel, Moïse Katumbi fait arrêter des camions de la Gécamines avec des minerais en Zambie, dans le pays d'origine de sa maman. Il faut commencer par là. Et les Yeke, en quittant la Tanzanie, ont-ils amené le Katanga sur leur dos, de la Tanzanie au Katanga? Moi, je condamne les cours ou les contenus du cours de l'histoire qu'on enseigne à nos enfants au Congo. Apparemment, ces cours-là ne contiennent pas l'histoire du Congo en intégralité. Vous avez l'âme fédéraliste, en fait. Vous voulez le découper. Vous voulez d'ailleurs sortir le Katanga de la RDC. C'est votre rêve depuis ce sommet. Oui, quelque part, oui, parce que mon père était quand même le ministre de l'Intérieur de Tshombe, là. Si l'histoire était enseignée correctement dans nos écoles, elle allait se taire. Parce que l'histoire, vous savez que Bauta, Tanzanie. Vous avez l'âme fédéraliste, en fait. Vous voulez le découper. Vous voulez d'ailleurs sortir le Katanga de la RDC. C'est votre rêve depuis ce sommet. Oui, quelque part, oui, parce que mon père était quand même le ministre de l'Intérieur de Si Tshombe. l'histoire était enseignée correctement, le Katangais qui ont des problèmes avec les Kassaïens, allez savoir que le Kassaïen que vous êtes en train de détester vient du Katanga. Malheureusement, le cours d'histoire n'a pas le contenu qu'il faut. Et surtout maintenant, je le sens davantage. Ces populations qui viennent, vous avez suivi comme moi, les trains, là, le train qui a déraillé, il vient du du Kassai. Kassai, oui. Donc, il y a une multitude de gens. Le Kassai, les deux Kassai se vident de la population pour venir au Katanga. Voilà. Premièrement, elle parle d'un train déraillé où il y a eu mort d'homme, sans compassion, sans un message de condoléances. Donc, les humains qui ont perdu leur vie durant ces voyages ne méritent même pas du respect. Suivi comme moi, les trains, là, le train qui a déraillé, il vient du du Kassai. Kassai, oui. Donc, il y a une multitude de gens. Le Kassai, les deux Kassai se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne construise pas chez eux? C'est comme si aujourd'hui on voyait les Banyamulenge venir au Congo, commencer à dire que nous n'aimons pas telle tribu, ils doivent quitter notre province. C'est pas normal. Nous, les Bayeke, la famille régnante, on ne peut pas manger de poisson. La tribu dont elle est fière est une tribu qui a quitté la Tanzanie il y a de cela 2 siècles pour habiter dans le Katanga.
Je ne crois pas qu'on se sente supérieur, mais on réclame seulement ce qui nous est dû. Voilà une tribu qui a quitté la Tanzanie pour venir habiter dans le Katanga. En quittant la Tanzanie, elle n'a pas amené le cuivre, elle n'a pas amené le cobalt qu'on trouve dans le Katanga. C'est une tribu qui a trouvé ses minéraux au Katanga. Mais voici une princesse qui est contre le Kasaïen, une tribu qui est originaire du Katanga. Parce que l'histoire n'a pas été enseignée correctement à nos enfants et à nous-mêmes. Le Kasaïen que les gens insultent au Katanga vient du Katanga. C'est le même sang, ce sont des frères. Yaouti Tanzanie, tribu Nabango et Outa Tanzanie. D'abord, on dit que Papa Naé a participé à la mort et à Lumumba. Voilà une tribu de gens, Bauta Libanda, Bolingo Zate, Bouena Kouma, un héros, Nakata Congo. Et aujourd'hui, Azako Lukake, Katanga s'est divisé, et Longwa, na RDC. Yé Azamopaya, Baza tribu Bapaya. Elle pense qu'il a plus de droits que les Kasaïens qui sont originaires du Katanga. C'est une forme de sorcellerie. Ok, donc maintenant ces gens qui arrivent avec leurs pratiques. Déjà nous on était habitués à avoir des chiens à la maison, c'était des amis et tout ça. Ah, je n'ai pas de déclaration à faire sous son amitié avec les chiens. Mouté maman Mélek. Rappel. Rappel. Je suis Dieu et je ne suis jamais. Rappel, rappel. Et aujourd'hui et pour toujours.